Bonsoir. Le sujet de la vidéo ce soir, c'était prévu d'être sur le bullet journal. C'est le livre qu'on voit là-bas, là, sur le lit. Sauf que la vidéo que j'ai faite est beaucoup trop longue et honnêtement, j'ai pas du tout envie de la refaire. Donc, je l'uploaderai quand j'aurai le réseau chez moi parce que pour l'instant, je suis pas chez moi. Et donc, je vais remplacer la vidéo que j'avais prévue ce soir par une vidéo sur mon évier. Donc, certaines personnes ont vu passer sur le groupe Défi impactant en 30 jours une photo de mon évier. Et donc, je me suis trompée de groupe pour publier cette photo. Tous les soirs, depuis le 1er février 2019, je fais briller mon évier sans oubli. Ça fait partie de la méthode Fly Lady, où le premier petit pas, c'est de faire briller son évier. Donc, en fait, quel que soit l'état de ton évier, qu'est-ce son contenu, s'il y a de la vaisselle dedans, c'est pas grave. Tu vides ton évier, tu mets la vaisselle ailleurs, tu te débrouilles, tu entasses la vaisselle ailleurs, mais tu t'occupes de ton évier, tu restes focus sur ton évier et ton évier, tu le fais briller. Et donc, cette action que tu auras fait un soir, un soir ou un jour, en fait, tu vas l'entretenir chaque soir. Pour pouvoir ancrer cette action de tu poses une action dans l'objectif de reprendre en main ton ménage, ta maison, ta vie, toi, quoi. Donc, sur le groupe, j'ai publié une photo de mon évier en me trompant et ceux qui ont accès à cette photo, vous verrez qu'il y a un schtroumpf qui tient un bâton phosphorescent à la main. Et donc, quand j'éteins la lumière, je vois encore la couleur du petit bâton. Et je dis à mon évier le soir qu'il est brillant. Donc, ceux qui ont assisté au NBS Live 2019 comprendront de quoi je parle, à quoi je fais allusion. Et voilà. Donc, faire briller son évier, c'est le premier pas de la méthode Fly Lady. C'est quelque chose que tu fais et que tu entretiens tous les soirs et que je réussis à entretenir depuis le 1er février et j'en suis super fière. Salut!